Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Zone Franche de Canal 3 à Bénin. La jeune fille de la trentaine a finalement perdu sa virginité le 1er novembre 2019, soit à quelques jours seulement de son 29e anniversaire. Les députés ont procédé à une révision de la loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Salutaire ou un Rubicon franchi, l'acte posé par la 8e législature restera historique à tout point de vue. Mais quelle est l'opportunité de cette révision? Quels sont les problèmes identifiés et quelles sont les solutions constitutionnelles que ces problèmes appellent? Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, ce matin, nous vous proposons de décrypter cette actualité, la révision de la Constitution, et ce sera avec un des acteurs majeurs de cet événement. Il s'agit de Barthélémy Kassa. Il est membre du parti Bloc Républicain, maître de conférence, professeur, maître de conférence en écologie générale. Il est député des 4e, 6e, 7e et maintenant 8e législature de l'Assemblée nationale. Il fut également plusieurs fois ministre de la République. Barthélémy Kassa, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Christian Dandéja, pour vous recevoir. Il est tiendra compagnie. Christian, bonjour. Bonjour André. Bonjour Barthélémy Kassa. Bonjour André. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. C'est un effet de surprise, je dirais, un effet de surprise qui a traversé le pays vendredi dernier, nuitamment. Vous et 82 de vos collègues députés à l'Assemblée nationale aviez voté la loi portant révision de la Constitution. Barthélémy Kassa, vous qui êtes un acteur majeur de cette révision, est-ce qu'il était opportun qu'on révise la Constitution du 11 décembre 1990? Merci beaucoup André, merci à Christian. Je voudrais d'abord relever un petit truc dans votre introduction. Quoi? D'abord que la révision est intervenue le 31 octobre et non le 1er novembre. Pourquoi? Parce que nous avons, vous avez commencé le 31, et c'est bien après minuit que... Oui, le fonctionnement parlementaire nous permet de respecter ce qu'on appelle l'horloge parlementaire. Donc c'est au regard de l'horloge parlementaire qu'on délibère. On a voulu que cette révision intervienne le 31, donc à minuit moins. On bloque l'horloge et on effectue les amendements dans cette horloge parlementaire. C'est un élément nouveau que vous nous apportez. Oui, merci beaucoup. Il faudra que la Constitution a été révisée le 31 octobre. Le 31 octobre. Le premier, à la veille de la Toussaint, afin que tous les saints puissent bénir cette Constitution, quoi, puissent bénir cet événement. Et vous pensez que ça a été fait, que c'est béni? C'est pas mal réfléchi. Mais je crois, étant croyant, je crois que c'est béni. Je crois que c'est béni. Quelle est l'opportunité? Oui, mais vous avez également dit quelques deux petits mots, à savoir que effet de surprise, nuitamment, non. Je ne voudrais pas que l'acte que nous avons posé soit considéré comme un acte d'effet de surprise, tout comme si on a rusé quelque part. Non. Je pense que cela permet d'aborder la question de l'opportunité. Vous saviez très bien que nous étions dans une démarche de règlement d'une situation politique qui est née des dernières élections. Vous savez, avec l'arrivée du président Patrice Talon, il a axé son mandat sur les réformes. Il a fait des réformes économiques. Des gens ont marché un peu, il y a eu des mécontents, mais ce n'est pas allé loin. Il a fait des réformes dans le secteur de la santé, dans le secteur scolaire. Ça aussi, on n'a pas vu des mouvements sociaux de ce genre. Mais dès qu'il a fait les réformes politiques, alors là, les acteurs politiques qui étaient bien dans le pays et qui ont vu les réformes économiques frapper les plus vulnérables, qui ont vu les réformes du système éducatif et sanitaire frapper certaines franges de la population, les réformes politiques ont été dures pour elles. Et ce fut le moment pour elles d'attaquer à certains fondamentaux de la République.
notamment atteinte à la sûreté, ainsi de suite, et tout ce que vous avez vu. Des violences sans pareil. Mais une fois les élections passées, le chef de l'État a estimé à juste titre qu'il fallait, étant donné le niveau de la crise qui s'installait, il fallait opérer un dialogue. C'est ce dialogue qui a été fait. Et le dialogue a prodigué des recommandations. Des recommandations, parmi les recommandations... On n'a pas demandé d'aller réviser la Constitution et surtout en procédure d'urgence. Justement, justement. Le dialogue a demandé certains aspects de la loi soient réglés. Normalement, notamment la conduite politique, qu'il y ait des dispositions qui réglementent de plus en plus la vie politique. Je viendrai à certaines de ces recommandations. Mais à la remise des recommandations du dialogue, le chef de l'État qui a commandité le dialogue a estimé qu'il était nécessaire qu'il aille jusqu'au bout. Mais vous aussi, vous êtes dans le pays, vous entendez la rue. Quand les gens disent, oh, ce dialogue-là, les recommandations vont rester dans le tiroir. Ce dialogue-là, et après le dialogue, on voit quoi? Mais après le dialogue, il faut agir. Agir, c'est de trouver satisfaction aux recommandations. Mais justement, oui, on ne pourra plus faire le procès à partir de cet de n'avoir pas donné suite aux recommandations. Mais les recommandations n'ont pas demandé. Ni à Patrice Tano, le chef de l'État, ni à l'Assemblée nationale, d'aller rapidement réviser la Constitution. Non, jeune homme, quand vous dites aller rapidement, ça dépend du niveau de responsabilité de chacun. Nous, en tant qu'acteurs politiques, ce que nous entendons, en tant qu'acteurs soutenant les actions du chef de l'État, ce que nous entendons, ce n'est pas ce que vous entendez. Vous avez entendu nous voulons que... révision de la Constitution. Non, pas révision de la Constitution. Oui. Je viens. Mm-hmm. Par exemple, quand le dialogue demande à ce que on puisse instaurer un régime d'élection générale, vous savez très bien que le mandat des députés en ce moment, c'est 4 ans. Vous savez très bien que le mandat du président de la République, c'est 5 ans. Vous savez très bien que le mandat des conseillers locaux, communaux et municipaux, c'est également 5 ans. Comment pourrons-nous organiser toutes ces élections en une seule année, dans une même année, si les mandats ne sont pas les mêmes? Le mandat des députés, il le tient d'où? Il tient sa légitimité de la Constitution. Si tous les acteurs sont d'accord que vraiment, on a assez dépensé pour les élections, on s'est trop fatigué pour organiser des élections chaque année, ça c'est contre-productif, c'est contre le développement. Il faut aligner. Est-ce que vous, journalistes, vous pensez que c'est mauvais d'aligner? J'espère que vous n'allez pas me dire que c'est mauvais d'aligner. Le plus important, c'est ce que oui, veut le pays, ce qui est donc, bon pour le pays. Donc, voilà. Donc, la modification constitutionnelle est une conséquence de cette obligation. Mais comment voulez-vous qu'on aille dans une loi pour dire... Bon, dans la loi électorale, le mandat des députés, c'est 5 ans. Alors que la Constitution, qui est notre Bible, dit que c'est 4 ans. C'est la célérité avec laquelle la loi organique a été modifiée qui pose problème. Merci après beaucoup. Le dialogue politique, une commission, un comité d'experts a été mis en place, qui a travaillé, qui a fait des propositions. Merci. Et quelques jours après, on constate merci. Qu'à l'Assemblée nationale, merci. On révise la Constitution. Merci. Pourquoi cela? Merci, oui. Merci. La célérité provient de la détermination du chef de l'État à ne pas violer les tests, à ne pas violer les accords sous-régionaux. Vous savez très bien que nous sommes obligés de tenir les élections en 2020. Talon a dit, moi je ne repousse pas les élections. Avant, quand on était coincé, on triturait les lois électorales. Quand on peut, dès que c'est prêt, on calcule pour dire, bon, vous les maires, pour respecter les 6 mois, on prolonge votre. Talon a dit non. Respectons notre calendrier électoral. C'est ça qui dénote notre sérieux. Donc, je ne voudrais pas que, à moins de 6 mois, des élections des maires, des conseillers plutôt, que nous soyons en train de modifier la loi. Pour le faire, vous voyez, les élections, si on le fait après novembre, ça veut dire que les élections interviennent en juin. 6 mois.
Est-ce que c'est normal? Donc, en le faisant en ce moment, c'est en tenant ce que ça ne dépasse pas début novembre. Donc, en début mai au plus tard, nous sommes sûrs que les élections communales et locales auront lieu. Donc, ce n'est pas une question de célérité inutile. C'est une question d'obligation de respecter les lois et règlements en vigueur. Le dialogue politique n'a pas enjoint au gouvernement, à Patrice Talon, qui l'a initié d'ailleurs, encore moins à l'Assemblée nationale, de mettre en œuvre toutes les recommandations avant les élections municipales en 2020. Pourquoi, par exemple, vous n'avez pas proposé que, oui, l'élection générale, d'accord, déjà que c'est repoussé jusqu'en 2026, mais laissons la question donc de la révision de la Constitution pour peut-être après les municipales. C'est aussi une démarche que vous auriez pu adopter. Mon cher André, quand vous dites que les élections, les recommandations, le dialogue ne nous a pas enjoint, quel est le sérieux que vous voulez qu'on accorde au comportement d'un chef d'État si il consulte la classe politique qui prend une décision et qu'il aille s'asseoir là-dessus pour dire « bon, je prendrai le temps de mettre en œuvre quand je peux ». On ne le prendra plus au sérieux. Maintenant qu'il dit « ah, c'est sérieux parce que ça permet de réaliser un certain nombre d'économies, ça permet de réaliser un certain nombre de calme politique », je vais accélérer. Et vous dites que non, il aurait pu envoyer certaines recommandations, dire oui, ça c'est bon, l'autre j'attends. L'autre, il faut que nous soyons responsables de notre comportement. Ce qu'on reproche à l'acte qui a été posé lorsqu'on écoute les uns et les autres, c'est le fait que, bon, à plusieurs reprises, il y a eu tentative de révision de cette Constitution. Et cette fois-ci, vous avez très rapidement saisi l'opportunité de ce dialogue politique pour aller à la révision sans pour autant associer le grand nombre d'acteurs, notamment ceux-là qui se disent partis politiques de la résistance. S'il vous plaît, cher ami Christian, à plusieurs reprises, il y a eu tentative de révision de Constitution. Mais quand le président Talon est venu, il a introduit une révision de la Constitution. D'accord? Est-ce que cette révision était inspirée d'un consensus? Non. C'est pour ça que le 4 avril 2017, ça n'a pas prospéré. Parce que il fallait que chacun voit à quelle question la révision répond. Pour montrer la bonne foi du chef de l'État, vous avez dans vos archives le projet qui a été introduit en 2017. Comparez, vous allez voir si toutes les questions qui ont été soumises en 2017 sont revenues pour cette fois-ci. Non. Il y a eu par exemple l'affaire de mandat unique de 7 ans. Mais si c'est inspiré de lui, ça devait revenir. Là, on pouvait dire, on a profité de l'opportunité pour faire d'autres choses. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu des choses qui ont été proposées en 2017, mais qui ne sont pas revenues. C'est la preuve que ce n'est pas une révision de la Constitution voulue par le chef de l'État, mais c'est une révision de la Constitution imposée par les aspects du dialogue politique. En évoluant, vous allez voir que rien de nouveau n'a été ajouté par rapport à cette révision de la Constitution, en dehors de quelques mises en forme. Mises en conformité, je devais dire. En dehors de quelques mises en conformité, il y a des participants justement au dialogue politique qui se sont sentis floués, qui se sont sentis plutôt trahis, parce que n'ayant pas évoqué la question de la révision de la Constitution pendant les débats, comment vous réagissez à ces critiques? Vous savez, c'est normal, hein, on est en politique. Comme nous savons tous les acteurs politiques savent que le peuple est rebutant par rapport à ce qu'on dit, on veut réviser la Constitution, même sans connaître le contenu, le peuple s'oppose d'abord. Donc, ça peut être une manière de récupération politique. Comme on sait que le peuple va s'opposer, bon, il y a des acteurs politiques, ils connaissent très bien le contenu, hein, mais pensant récupérer l'opinion politique, ils disent, nous, on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas associé, on n'est pas cela, ça là. Ça peut être politique. Faites-vous allusion, par exemple, à la frange des FCBE qui ont participé au... Mais les FCBE... On fait une déclaration. Les FCBE, ils sont très intelligents.
Excusez-moi. Parce que vous avez été aussi FCP entre-temps. J'en fus un. Oui. C'est des amis. C'est des amis. Mais nous ne sommes plus des camarades de... C'est mes anciens camarades de combat, hein. Mm-hmm. Anciens camarades de lutte. Mm-hmm. D'accord. Ils sont très intelligents. Ils ont fait leur déclaration à la veille. Ils n'ont pas fait ça après. Ils ont fait ça à la veille parce que ils doutaient de notre capacité à rester dans les limites des recommandations du dialogue politique. Ce qui se trame là, il ne faut pas qu'ils exagèrent. Après, le peuple va se soulever. On va dire que nous tous, nous sommes complices. Voilà. C'est un comportement politique très intelligent. Je fais la veille. Si c'est bon, ah, je sais qu'au moins, les recommandations sont prises en compte. Si ce n'est pas bon, peuple, sachez que ce n'est pas moi. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est politique, ça. Et finalement, après le vote de cette loi, est-ce que vous avez discuté avec eux? Vous les avez écoutés? Vous les avez entendus? Non, je ne les ai pas encore entendus. Je ne les ai pas encore entendus. Voici, ils étaient satisfaits, entre-temps. Mais écoutez, même s'ils me disent qu'ils sont satisfaits, vous voulez que je vienne dire sur le plateau ici, ils m'ont dit que finalement, ils sont satisfaits? Alors, ça ne se dit pas comme ça. Vous êtes formel, hein, c'est le dialogue politique qui a abouti à la révision de la Constitution. Oui. Quels sont les problèmes politiques identifiés par le dialogue politique et qui ont appelé les solutions constitutionnelles que vous avez proposées? Très bien. Le dialogue politique a d'abord épousé dans une grande mesure les réformes politiques du chef de l'État en matière de renforcement du système partisan. Tout le monde a quand été... bien même ça aboutit à l'exclusion d'un certain nombre d'acteurs politiques, pas des moindres. Non, qu'est-ce que vous appelez... Vous avez dit que le dialogue a épousé... Non. Ne confondez pas... La réforme du système partisan... Ne confondez pas ce que les uns les autres appellent à tort exclusion pour les élections législatives et exclusion dans le système partisan. Non. Vous voyez... À l'arrivée du chef de l'État, il a fait un diagnostic. Il a testé notre modèle politique. Il a vu les faiblesses. Comment un chef d'État, un candidat plutôt, qui n'est soutenu par aucun parti. Talon était soutenu par des partis à très faible spectre. Des partis qui n'étaient pas... En tout cas, qui n'ont... Ils ont des mouvements politiques. Je ne sais pas, mais je ne vois. Vous-même et les responsables de ce parti sont convaincus qu'ils étaient à très faible spectre. Très faible spectre. Cependant, il arrive à s'imposer contre les partis de gros calibre, qui étaient FCBE, le PRD, la RB, qui nous tous avions soutenu le candidat Lionel Zinsou. Mais quand il fait ça, il dit. L'article 5 de notre constitution en vigueur prévoit que ce soit les partis politiques qui concourent à l'animation de la vie politique et qui concourent au suffrage. C'est clair dans l'article 5. Les partis politiques concourent au suffrage. Mais où est le rôle des partis politiques là? Donc, si nous voulons continuer de respecter notre constitution, il faut renforcer le système partisan. Et donc, on a fait une loi électorale qui renforce le système partisan, notamment qui indique que des partis politiques doivent être forcément représentatifs pour avoir droit au partage de sièges, par exemple. Mais cette affaire de représentativité des partis politiques qui est étendue aux législatives n'est pas nouvelle. Déjà en 2002, sous le régime Kérékou avait dit dans la charte des partis, dans la charte de... Charte de l'opposition, le statut de l'opposition, en son article 7, dernier alinéa, de façon insinueuse que sont représentatifs les partis qui ont recueilli 10% des suffrages. Déjà en ce moment, en 2002. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais les élections communales, pour avoir droit à l'attribution des sièges, c'est écrit ce qu'on applique depuis, sous Yaïboni, depuis 2008, c'est avoir au moins 10% du suffrage au niveau de votre circonscription. Talon vient, mais comme c'est les députés qui légiféraient, on n'a pas eu le courage de dire, bon, même votre député là, il faut avoir, votre parti doit avoir 10%. Il dit, bon, alignons, il faut qu'on soit juste. Si pour les partis, il faut 10% pour être représentatif, pour les conseillers, il faut 10% pour être élu. Bon, donc pour les députés, il faut aussi 10%, que les partis doivent recueillir 10% pour être éligibles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là?
C'est la volonté de respecter ce que nous avons écrit nous-mêmes depuis. Talon n'a rien inventé à ce propos. Les partis ont dit unanimement cette affaire de d'éligibilité des partis-là. Nous sommes d'accord. Nous ne voulons plus que des individus viennent ravir la vedette au parti. Ça a été indiqué pour cette fois-ci dans la Constitution, article 81, pour dire que les partis politiques doivent être représentatifs. Il faut un suffrage minimum pour avoir droit à l'attribution des sièges. La question a été débattue au dialogue politique. La question a été retenue au dialogue politique. Ça a été retenu. On a dit, bon, pour ne pas qu'un autre président vienne triturer cela, mettons dans la Constitution. C'est ça qu'on a réglé là. Mais la question de parrainage des candidats à l'élection du président de la République, ça a été également largement débattu, applaudi par l'ensemble des participants au dialogue politique. Mais attends, quand je dis l'ensemble des participants, ils ne sont pas dans l'ensemble. Comment peut-être, par exemple, les partis d'opposition qui n'avaient pas participé du reste aux dernières législatives peuvent-ils avoir applaudi une telle idée quand on sait que pour le moment, l'Assemblée nationale il n'y compte aucun représentant et que ces députés sont appelés, par exemple, en 2021 à parrainer des candidatures. Nous avons dit, dans la recommandation, elle est claire, hein, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de fouilleter quand je suis sur le plateau, mais elle est claire que c'est notamment les conseillers communaux. Mais nous allons aux élections en 2020. Si nous on rejette ça, ça suppose qu'on n'est pas de bonne foi pour organiser les élections en 2020. Les élections auront lieu en 2020. Les partis politiques doivent être confiants qu'il faut se battre pour avoir les conseillers. Donc s'ils ont les conseillers, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils estiment que ceux qui n'en ont pas ne viennent pas perturber l'élan des partis politiques quant à la conquête du pouvoir suprême. Donc, ça a été un consensus, hein, très largement partagé. C'est ça. Si les partis politiques ont retenu ça, pour satisfaire à cette exigence, nous avons révisé l'article qui parle de quelles sont les pièces à fournir pour être candidat au poste de président de la République. C'est ça. C'est là où on est allé insérer cela. Si vous ne mettez pas dans la Constitution, parce que dans la Constitution disait que c'est des individus librement comme ça qui pouvaient venir, on disait même au moment du scrutin, sans définir le moment du scrutin, là c'est où. Si bien qu'à chaque présidentiel, on se met à interpréter, on donne pouvoir à la Cour, l'Assemblée fait, la Cour des faits, ainsi de suite. Vous avez suivi, hein, en 2006, quand Yahya voulait venir. Vous avez suivi quand Talon voulait aussi, quand les autres voulaient aussi être candidats. Pour cette fois-ci, on a réglé. On a dit, c'est à l'instant du dépôt des dossiers. C'est réglé. C'est réglé. Et donc, augmenter là également le parrainage. Nous avons également, parce que les partis politiques ont estimé qu'il faut éviter désormais la clochardisation des partis politiques. C'est-à-dire que quoi ? Des partis politiques qui courent derrière des mécènes, qui courent derrière des hommes d'affaires pour leur financement. Et après, penser que ces partis politiques vont lutter pour l'assainissement des affaires, du climat des affaires, c'est faux. Mais Talon a dit, bon, moi je suis un homme d'affaires. Hein. J'étais un homme d'affaires. Mais si vraiment vous voulez que les partis politiques soient autonomes, je suis d'accord. Pour accompagner les partis politiques pour qu'ils bénéficient du financement public. Les partis politiques, c'est leur recommandation. Pour bénéficier du financement public, vous pensez que, vous savez, j'ai été plusieurs fois membre du gouvernement, je sais comment ça se passe. Quand il a fallu mettre en œuvre le statut de l'opposition pour déterminer par décret les avantages du chef de l'opposition, mon vieux, ça n'a pas été facile. Il y avait quoi ? Il faut des bois. Difficulté. Ah non, pourquoi ? Mais est-ce que je dois donner des ressources à celui-là qui est opposant, donc qui est censé me combattre ? Si c'est ma signature qui doit lui accorder les ressources, ah, je réfléchis plusieurs fois. On a dit, bon, il faut mettre les partis politiques, notre système partisan, à l'abri des individus. Constitution. On allait renforcer l'article 5 de la Constitution en disant, désormais le financement est acquis. Il doit être équivalent à un certain pourcentage qui va être défini maintenant par la loi.
un certain pourcentage de nos recettes intérieures. Et que ce pourcentage ne peut pas varier, évoluer négativement d'une année à une autre, sauf à justifier qu'il y a eu baisse des recettes intérieures. Mais écoutez, le parti politique, là, ce n'est pas moi. Hein. Vous aussi, vous pouvez être membre du parti politique, vous pouvez diriger les partis politiques. Hein. Ce financement qui est souhaité, vous pouvez le gérer. Disposition là dans la Constitution pour en garantir l'observation par le gouvernement successif. On a vu des chefs d'État, des gouvernements fermer les yeux sur certaines dispositions, certaines obligations de la Constitution, ne pas les rester ou même les violer. Ça là, je ne refuse pas, mais ils vont exposer simplement leur qualité d'homme. C'est tout. Ils vont afficher leur qualité d'homme qui ne respecte pas la Constitution et le peuple va en juger. Mais nous, on n'a pas voulu donner une brèche pour que un chef d'État profite de cela pour camoufler son état d'homme. Le financement public désormais des partis politiques est désormais une obligation constitutionnelle. Oui. C'est désormais une obligation constitutionnelle. Vous savez, puisque vous m'aviez dit, bon, est-ce que vraiment, par rapport à l'alignement des mandats, donc ça c'est déjà réglé avec le fait qu'il faut modifier l'article 80 de la Constitution pour passer des députés de 4 ans à 5 ans. Vous savez, ça, les députés ont longtemps cherché à lier le mandat, en tout cas à le porter à 5 ans. Très bien. Vous avez même à un moment donné procédé à une révision de la Constitution. Exactement. Rapidement. C'est ça que je voulais rappeler. On voit aujourd'hui triomphaliste, les députés ils sont tout heureux parce que désormais, ceux d'entre eux qui savent se faire réélire à chaque législative. Il n'y a pas de triomphalisme. Ce qu'il y a à noter, c'est que c'est notre discipline à respecter le peuple, à respecter la classe politique. Il n'y a pas de triomphalisme en la matière. Notre discipline à respecter la classe politique qui a pris des décisions pour lesquelles il fallait maintenant opérationnaliser. Vous avez bien rappelé, l'alignement de mandat, c'est aussi un vieux débat. Depuis 2005, porté par le député, je faisais partie de ceux-là, à la veille du départ de Kérékou, on a dit, bon, les élections législatives devaient avoir lieu en 2017. Kérékou partait en 2007. Kérékou partait en 2006. On a dit, bon, on va quand même trouver, peut-être que si on lui dit ça, il va accepter. Nous, on veut encore un an. Donc, au lieu de perdre les élections en 2007, les législatives en 2007, on va les faire en 2008. La même année que les communales. Les communales devaient intervenir en 2008. Kérékou, toi, au lieu de partir en 2006, tu vas partir en 2008 aussi. Donc comme ça, on aligne tout le monde. Et les députés, votre mandat passe. Le mandat en cours, hein, on était assis nous-mêmes. Et nous-mêmes, on légifère pour nous augmenter un an. Bon, nous sommes assis, pendant que nous sommes assis, bon, un an en plus. L'objectif était noble, mais ce qui était derrière là, c'est ça qu'on ne voyait pas. C'est ça qui a fait peur au peuple. La suspicion a été très grande. Mon collègue Urugabe, je pense que je ne dévoile rien ici, et d'autres comme moi aussi, hein, on a dû faire mes bases sur la proposition, elle est restée là. C'est en ce moment que Kérékou est sorti pour dire, lui n'avait demandé de rien. Après Kérékou, avec Yahya Boni, le même argument a persisté. Les élections coûtent trop cher, regroupons tout. Maintenant que nous avons un président qui expose sa volonté et qui dit, mais écoutez, si on n'est pas arrivé à modifier, à aligner jusque-là, parce qu'il y a des intentions cachées qui font peur. Je suis convaincu que c'est la pratique des politiciens qui a amené le peuple à avoir peur, souvent quand justement, à prendre un certain nombre de décisions. Justement, c'est pour ça, à l'occasion de la remise au chef de l'État des travaux du comité technique, il a été clair, hein, publiquement, il dit, ah, vraiment, je sais ce qui fâche le peuple, je sais ce qui est objet de doute, ne faites pas en sorte qu'un chef d'État s'éternise au pouvoir.
ne faites pas en sorte qu'un chef d'État ait plus de deux mandats. Si une telle révision intervenait avec cet aspect, je ne vais pas promulguer cet amendement. Je ne vais pas promulguer. Ça doit normalement dissiper le doute. Mais certains avaient toujours raison de penser que est-ce que ces propos-là ne sont pas politiques? Est-ce que ces propos ne sont pas politiques? Jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous avez vu? L'article 42, plus que renforcé, pour dire même, c'est de sa vie, hein, vous ne pouvez pas faire plus de deux mandats. Mais quand c'est sorti comme ça, moi, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, mais cette question-là, est-ce que vous êtes sûr que le peuple ne veut pas que des gens fassent plus de deux mandats? Bon, on est d'accord pour tout le reste, mais ça là, il faut soumettre ça au référendum pour avoir au moins l'avis du peuple. Vous voyez, c'est contradictoire. Nous avons tenu à rester dans l'esprit originel de la Constitution, sans abuser du peuple, sans abuser de son premier référendum. Mais vous avez aussi profité pour régler quelques petits comptes, parce que certains citoyens trouvent en la proposition relative à la portion de phrase de sa vie, pour empêcher certains Bourdieu par exemple d'avoir à envisager un retour au pouvoir. Vraiment, vous là, moi, je ne vous comprends pas. Vous soufflez le chaud, vous soufflez le froid en même temps. Le peuple, c'est hein? Le gouvernement qui mais, s'inquiète, justement. Non. Oui, mais c'est le peuple qui est comme ça. C'est le peuple qui est comme ça. Et c'est normal que des gens aient envie que Yahya Boni revienne. C'est normal. Mais c'est une question, malheureusement, qui est réglée depuis, par les premiers qui ont écrit cette constitution, qui sont morts. Et on ne souhaite pas vraiment violer cette disposition. Yahya Boni, lui-même, il est conscient qu'il a fait ses deux mandats. Mais si des gens pleurent pour qu'il revienne, ils n'ont qu'à pleurer. Mais lui, je connais le langage qu'il doit tenir en tant qu'homme d'État, grand homme d'État. Est-ce que ce n'était pas inutile de rajouter la portion de phrase de sa vie? Non, ça permettait de rassurer même certains députés. Le chef de l'État a dit, il dit, je vous connais, vous êtes assis ici là. Il y en a qui ne sont pas convaincus, hein, parce que quand le chef dit une chose, il y a des clébés qui en profitent pour interpréter autrement. Vous voyez, quand Kérékou sort un mot là, on profite du seul mot de Kérékou pour aller faire beaucoup de choses derrière. On pense qu'avec Talon, c'est comme ça. Il a été clair. C'est comme ça que je veux. D'autres disent derrière, mais est-ce que vraiment, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça? Même il y en a qui sont assis, ils pensent que passer l'étape de l'Assemblée nationale, là, arriver à la Cour va interpréter ça encore autrement. Et ils avaient dit d'écrire. Je connais un technicien qui avait dit d'écrire que aucune autre juridiction de la République ne peut interpréter cela autrement. On dit d'écrire ça dedans. Ça veut dire qu'il y a des doutes, il y a des doutes. Mais vraiment, je veux qu'on se fasse confiance pour une fois. Il y a une consensus surtout. À côté du président de la République, vous avez créé désormais un poste de vice-président de la République. Pourquoi? Bon, en fait, ce n'est pas à côté du président de la République que le poste est créé. Non. C'est pour... Non. C'est pour prévenir plutôt les cas d'élections anticipées. Vous voyez, quand il y a empêchement d'un conseiller communal, quand il y a décès d'un conseiller communal, de celles qui sont nombreux, hein, la loi permet que le conseil continue. Quand il y a décès, désistement, quand il y a décès, empêchement au niveau de l'Assemblée nationale, le suppléant est là. Mais lorsque les suppléants aussi viennent et décèdent jusqu'à proportion d'un quart, un cinquième des membres de l'Assemblée nationale, la Cour, la Constitution permet de faire des élections partielles pour combler là où c'est parti. Mais lorsqu'il y a décès du chef d'État, on ne continue pas. Lorsqu'il y a démission du chef de l'État, on ne continue pas. On dit qu'il faut organiser les élections. Même si pendant 40 jours, le président de l'Assemblée nationale va assurer l'intérim. Il faut organiser les élections. Si ce cas se passe, ce cas de vacances se pose,
et qu'on est tenu d'organiser les élections, est-ce que c'est toutes les élections qu'il faut reprendre en même temps avec toutes les conséquences financières, ou bien c'est seulement l'élection du président de la République qu'il faut reprendre? Si c'est seulement l'élection du président de la République qu'il faut reprendre, alors là, la question d'élection générale est bousillée. Par quel mécanisme faut-il pérenniser la question de l'élection générale? D'autres ont dit, bon, le président de l'Assemblée nationale, il n'a su plus l'intérim, il continue jusqu'au bout. C'est une solution, c'est une approche. Mais un président de l'Assemblée nationale, d'abord un député, élu dans une circonscription électorale. Il est élu pour être député et on dit que maintenant c'est lui qui est le président de la République. Les autres circonscriptions n'ont pas voté pour lui pour ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Oui. Mieux c'est quoi? Que le président de la cour constitutionnelle exerce le mandat. D'autres techniciens ont proposé ça. Bon, on a compris pour l'autre. Mais que le président de la Cour suprême exerce, et le Cour constitutionnelle plutôt, finit le mandat. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un élu. Il souffre d'un problème de légitimité. Il n'est pas un élu. Il y a problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Au Nigeria, on a vu. Comment est-ce que... comment il s'appelle? Goodluck est venu au pouvoir. On a vu au Ghana. Ça se passe sans problème. On dit, le poste de vice-président ici, mettons que, à l'élection du président de la République, qu'il soit associé l'élection de celui-là, qui pourra, en cas de Kessia, que le peuple sache, en même temps qu'il vote pour le président, pour dire... En cas de Kessia, celui-ci va achever le mandat. Est-ce que ça, ce n'est pas plus élégant? On n'abuse pas du peuple en ce temps. Le peuple connaît qui va exercer les fonctions. Cependant, cette proposition soulève quelques inquiétudes, quelques incompréhensions à tout le monde. Alors, vous avez proposé que de maintenant jusqu'à 2021, s'il y a vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée nationale, oui, peut gérer, oui, peut, oui, peut finir, de, enfin, oui, organiser les choses. Mais vous estimez que, mais plus tard, ce même président de l'Assemblée ne serait pas assez bien pour finir le mandat? Non. Alors, c'est quoi cette... Non. De maintenant à février 2021, ça veut combien? C'est un an pratiquement. Dans la vie d'un pays, c'est important. Ah, non, je sais. Mais s'il devait assurer l'intérim, c'était pendant combien de temps? Est-ce que vous savez ce qui peut arriver quand on dit qu'il faut organiser les élections présidentielles en 40 jours? Est-ce que vous savez ce qui peut arriver? On n'a jamais éprouvé cette disposition de la Constitution. C'est pour ça qu'on pense que bon, c'est une disposition tranquille. Elle n'est pas tranquille. Hein? Organiser les élections présidentielles à la suite du décès d'un chef d'État, à la suite de sa démission ou à la suite de son incapacité définitive à exercer le pouvoir, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire en 40 jours. Ne prions Dieu pour que cette disposition ne soit pas éprouvée. Prions Dieu. Donc, quand on est dans un pays où dire que la Sénat est de manière transitoire, institutionnalisée, permanente, qu'elle a déjà été suffisamment érodée à force d'organiser les consultations électorales. André, tu n'es pas plus jeune, tu n'es pas encore, ne te considères pas encore comme jeune homme. Hein. tu as vieilli un peu, tu sais un peu ce que c'est. Même l'élection présidentielle qui est organisée de façon régulière, est-ce que vous voyez les tensions? Est-ce que vous voyez les tensions? À plus forte raison, une élection organisée dans une situation de catastrophe pratiquement. C'est différent. Ça change. Prions Dieu. Dieu aime le bénin. Prions toujours. Alors, pour autant, le poste de vice-président ne nous met pas à l'abri
tant que ça, puisque nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, vice-président qui également sans doute pourrait nourrir quelques ambitions, vouloir porter aussi le titre de président de la République et non vice-président, peut aussi occasionner la vacance, enfin, la disparition du président. Pourquoi vous n'avez pas envisagé cette option? André, c'est très bon de réfléchir, hein, mais écoutez, c'est pas pour la première fois au Bénin qu'il y a des vices, hein. Je suis député, il y a un suppléant. Hein. Qui vous dit que le suppléant ne veut pas s'asseoir là où je suis là? Qui ne veut pas définitivement son titre de député au lieu d'être appelé suppléant? Donc, vous faites quoi pour mettre à l'abri de ces éventuelles tentations? Non, c'est pour dire que le Béninois n'est pas ce qu'on pense de lui. Il faut qu'on soit vraiment sincère, qu'on reconnaisse que le Béninois n'est pas exactement ce qu'on pense de lui, à savoir qu'il fait des activités nocturnes ou je ne sais si c'est nocturne, je ne sais pas. Hein. Des activités occultes. En tout cas autrement occultes, c'est bien dit. Des activités occultes pour nuire à son titulaire. Non. Alors, et il faut qu'en instituant cette pratique-là, cela lave un peu la tête de ceux qui pensent que un vice-président au Bénin peut tuer le président de la République. Il faut laver ça. Le président et son vice-président, ils doivent provenir du même parti politique. Non, c'est pas comme ça. On n'a pas dit que ce sont les partis politiques qui déclarent la candidature des présidents. Hein. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que ce sont les partis politiques qui présentent les candidats. On a dit qu'ils parrainent, les élus parrainent. Ça veut dire que le président peut ne pas être membre d'un parti politique. Mais pourquoi? Mais qu'il soit quand même parrainé par des élus, donc des partis politiques. On a dit que le vice-président, on n'a pas dit qu'il doit être du même parti que son... Non, ils peuvent être différents. Hein. Mais le duo est composé par les partis. Une alliance de partis peut amener un chef d'État au pouvoir, avec le duo. L'objectif de la réforme du système partisan, honorable Barthélémy Kassa, n'est-il pas de renforcer les partis politiques, de leur permettre de jouer enfin leur rôle d'animation de la classe politique, notamment de la conquête et de la gestion du pouvoir? Si nous sommes encore dans un contexte où les partis politiques ne sont pas tenus de porter les candidatures, en tout cas, et qu'ils se retrouvent en alliance, comme ce fut le cas il n'y a pas longtemps, ça sert à quoi cette réforme du système partisan? Non, André, il y a une nuance. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas tenus de porter des candidatures. Mais la déclaration de candidature est individuelle pour l'élection présidentielle. Alors que pour les autres élections, c'est des déclarations de liste. C'est ça la nuance. Le scrutin aux élections présidentielles n'est pas un scrutin de liste. C'est un scrutin uninominal. Donc, c'est chaque individu qui va déclarer sa candidature. Mais si cet individu va déclarer sa candidature, pour cette fois-ci, on lui demande d'être parrainé par les partis, des élus, qu'ils soient communaux ou qu'ils soient des élus nationaux. Voilà. Vous avez trouvé une solution à l'organisation des élections, notamment à son article 153, à l'article 153 de la Constitution, où vous dites que les élections législatives et communales sont couplées et sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Oui. Quel est le problème? Oui, pourquoi avoir trouvé une solution comme ça à l'organisation des élections? Non. Désormais, on sait que, bon, dans une année électorale, puisque toutes les élections seront organisées dans une même année, le deuxième dimanche, par exemple, du mois de janvier, nous allons aux élections législatives et communales. Le deuxième dimanche du mois d'avril, nous allons pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et le deuxième dimanche du mois de mai, nous allons pour le second tour de l'élection présidentielle, si éventuellement il y avait un second tour. Merci beaucoup. Vous savez, nous ne sommes pas... Comme vous avez dit, on a quand même une certaine expérience en matière législative et on a une certaine expérience dans la participation aux élections. On a vu que, on a déjà parlé de ce que le chef de l'État pouvait déplacer les élections communales comme il voulait. Maintenant, on ne veut plus qu'il ait cette prérogative-là. Le corps électoral
à chaque élection, les dates variaient. La première élection, la première législature a été installée en mars 2000, en tout cas 1991 ou 92. En tout cas, c'était en mars. Après, c'est passé en avril. Après, c'est passé maintenant en mai. C'est quoi ça là? Si bien que la durée du mandat n'a jamais toujours été de 4 ans. On violait toujours un peu la Constitution. Mais comme c'était le décret convocation de corps électoral qui déclenchait l'organisation des élections, ça faisait mouvoir comme ça le calendrier. On a dit, il faut être moderne. Il faut être moderne. Nous avons une institution, nous voulons qu'une institution soit désormais chargée de tout le processus électoral, y compris du déclenchement du processus. Déclenchement du processus électoral. Donc, si c'est ça, nous devons caler les périodes. Nous devons caler les périodes déjà dans la Constitution pour qu'il n'y ait aucun motif de déroger à ce programme, à cette volonté d'avoir une année électorale. Sinon, c'est extensible. Hein? Si vous laissez ce pouvoir à un chef d'État, il va désorganiser. Dès qu'il prend un peu peur du visage de l'opposition, il peut désorganiser le système électoral. Alors, les députés, quand un député est élu et qu'il est appelé à exercer d'autres fonctions, ou bien quand ça ne lui plaît pas de siéger, il laisse la place à son suppléant. Désormais, il est possible de revenir, continuer son mandat à l'Assemblée nationale. Oui. C'est quoi cette trouvaille? Non, ce n'est pas une trouvaille, c'est la pratique presque dans tous les pays. Hein. Ailleurs, il y a des députés qui peuvent être membres du gouvernement et quand il s'agit d'aller voter, ils quittent la salle du Conseil des ministres pour aller s'asseoir pour voter. Hein. Il y a des députés, c'est eux qui sont élus, lorsqu'ils sont appelés à des fonctions incompatibles, ils laissent leur siège à leur suppléant, mais dès que l'incompatibilité cesse, ils reviennent. C'est ce cas qu'on a voulu emprunter parce que si on a sous le conseil du chef de l'État, ça c'est le conseil du chef de l'État, en disant, écoutez, dans toujours la réforme du système partisan, il faut créer l'émulation au sein des partis politiques. Pour créer l'émulation, laissez chacun penser qu'il a accès au poste législatif. Donc, fixons un mandat pour les députés. Un mandat qui ne soit pas long non plus. 3 ans. Trois mandats. Donc, si quelqu'un est élu et qu'il doit faire, s'il a la chance d'avoir ces trois mandats, et qu'il n'a pas la chance d'assurer le mandat. Parce qu'une chose est d'être élu, une autre chose est d'assurer le mandat. Vous allez là, après 2-3 mois, vous êtes appelé à d'autres fonctions, vous laissez. Vous n'avez pas appris le travail législatif. Hein. Vous n'avez pas appris le travail législatif pour permettre à chacun d'être en aptitude de dire qu'il a été député, qu'il a été législateur. Il faut lui donner l'opportunité de revenir à tout moment pour assumer son mandat, assumer ses fonctions de législateur pour après avoir droit à d'autres avantages qui sont liés à l'aptitude de légiférer. C'est très important. Alors finalement, quel intérêt y a-t-il à être suppléant de député à l'Assemblée nationale si on sait que le mandat lui appartient définitivement, même s'il est appelé à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles, il peut toujours revenir mettre fin à la suppléance. Mais André, toi tu ne veux pas être suppléant pour 3-4 mois, tu ne veux pas? Tu penses que quelqu'un quitte la législature, le Parlement pour aller faire 3-4 mois quelque part revenir? Non, la Constitution prévoit que vous pouvez cumuler pendant 6 mois. La Constitution a prévu ça. La Constitution ambiguë est celle qui n'est même pas encore promulguée. Hein. Un député peut être nommé à un poste par le chef de l'État pendant au moins 6 mois en cumulant. Mais ceci après consultation de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas une disposition nouvelle non plus. Nous sommes allés au dialogue politique pour apaiser. Pour apaiser la tension sociopolitique consécutive à ces élections législatives qui excluent une partie de la classe politique.
n'aurait-il pas été plus judicieux que la 8e législature décida, par exemple, d'écourter son mandat et de provoquer les élections législatives pour 2021? André, il faut qu'on soit réaliste dans tout ce que nous faisons, hein, et ne pas faire de poids, deux mesures. Le mandat de l'Assemblée nationale actuelle n'est-elle pas réaliste? Quel est le pouvoir qui peut le faire? Dites-moi, quelle est l'institution qui est en mesure d'écourter le mandat des députés aujourd'hui? Vous venez de réviser la Constitution. Hein? Comment ça? Qu'on soit assis là et qu'on dise que bon, nous on est assis là, bon, on n'est plus assis. Qu'on dise ça? On ne peut pas dire ça. La belle preuve, en 2006, avec le président Higui, quand on a dit bon, nous on est assis là, on n'est plus assis, on augmente un an. Est-ce que ça a marché? Non. Si vous voulez une législature écourtée, ce n'est même pas, je n'aime pas ce terme-là parce que ça ne peut jamais exister. Ça ne peut être qu'écourté qu'en cas de coup d'État, qu'en cas de catastrophe, qu'en cas d'autre chose. Ça ne peut être que ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour notre pays? Ou bien les députés s'entendent pour dire, bon, nous tous, on démissionne. Moi, je ne suis pas prêt à m'entendre pour dire ça. Hein. Je ne suis pas dedans. Il faut être réaliste. Il faut écouter le mandat de la prochaine législature. Non, ça, ce n'est pas écouter, puisque personne n'est encore candidat. Les députés de la 9e législature ne sont pas encore connus. Mais pour être candidat en 2000, pour être député, candidat en 2023... Vous devez savoir que vous serez élu pour 2 ans, quelques mois. Ça ne ferait pas 3 ans. Hein? Mais abusivement, on dit 3 ans. Mais puisque l'élection, la prochaine élection législative, 10e législature, ça va être en janvier 2026. Si l'élection prochaine de 2023 a lieu en mars ou avril, alors que l'élection de 2026 va être en janvier, ça ne fera pas 3 ans. Mais vous allez aux élections en conséquence de faire ce mandat de transition. On ne parlera pas de mandat écourté. Il n'y a pas un mécanisme qui permet d'écourter. On veut bien faire plaisir à tout le monde, mais dans le respect des tests quand même. Dans le respect des tests. En fait, c'est comme si on dit, bon, finalement, quelles sont ces mesures? Le chef de l'État qui est assis pour 5 ans là. Quelles sont ces mesures d'apaisement? On prend la révision pour dire, bon, il n'a qu'à ça suffit, il n'a qu'à descendre. Est-ce que c'est possible? Après le dialogue. Oui, Christian. Oui, justement. Quelles sont alors les mesures d'apaisement, puisque vous étiez au dialogue pour ça aussi? Non, justement. C'est vrai que beaucoup de collègues, beaucoup d'amis politiques pensaient que la mesure d'apaisement devait être la reprise des élections législatives en 2021. Mais on n'a pas trouvé de mécanisme possible pour ça. Mais il y a aussi une autre action d'apaisement qui était le soulagement, la relaxation de tous ceux qui se sont rendus coupables dans l'application générale de la nouvelle charte des partis politiques, du nouveau code électoral. Vous parlez donc de cette loi d'amnistie. Voilà, d'où la loi d'amnistie qu'on a montré au-dessus de tout. On a dit, ce qu'on doit faire, c'est d'abord ça, pour montrer notre disponibilité à faire la relaxation. Ça, c'est fait. Mais quant à reprendre les élections en 2023, on a voulu, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. À moins qu'on nous demande de violer nous-mêmes tout. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le mandat, la législature actuelle, court jusqu'en 2023. Ah, mais c'est pour ça qu'on est allé aux élections, non? Avant d'aller aux élections, c'était de 2019 à 2023. Ce n'était pas pour avant, hein? Alors, pourquoi amnistier sans au moins faire la lumière sur les faits, identifier les auteurs, les victimes? Et pourquoi pas envisager une réparation? Oui, je comprends bien la question parce que, André, vous êtes jeune. Vous savez, c'est pas toutes les lumières qu'on cherche à mettre. Il ne faut pas chercher à mettre en évidence toutes les lumières. Ah oui, une lumière qui va être éblouissante pour les yeux. Vous voyez qu'il faut bien la baisser. Et c'est pas pour la première fois qu'on le fait. Hein? Hein? Au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, on a pris une loi pour amnistier beaucoup de choses. Est-ce que ça gênerait que l'on fasse la lumière sur ces faits aujourd'hui? Mais André, même vous, ça vous gênerait. Ça va vous gêner. Pourquoi? Comment? Attends. Si tu n'as pas ton beau-frère qui est
garder quelque part, c'est peut-être... Nous sommes tous parents, hein. Nous sommes tous parents. Que un de tes frères soit en train de souffrir de l'application d'une loi comme ça, et que tu trouves l'opportunité d'avoir la paix toi-même et que tu refuses, nous sommes tous parents ici au Bénin. Tous. Si je n'ai pas pris... Si je ne me suis pas marié à une fille de la famille, c'est sûr peut-être que je suis sorti avec une fille. Dans tous les cas, vous allez trouver un lien par rapport à ceux qui sont gardés. Moi, je suis très gêné parce que j'ai été membre du gouvernement de Boni Yayi. Je ne peux pas dire que je ne connais pas Boni Yayi. Tous ceux qui sont impliqués dans cette situation, je ne peux pas dire que je ne les connais pas. J'ai des amis qui sont dehors. Parce que on ne s'est pas compris pour savoir comment est-ce qu'on respecte la loi. C'est tout. Déjà, moi, je suis soulagé. Je suis sûr que toi, vous là, je suis sûr que vous êtes aussi soulagé. Parce qu'on se connaît sur d'autres terrains. Alors, pour les toutes dernières minutes de cette émission, on va parler de vous-même, Barthélémy Kassa. Encore? Comment se porte le gouvernorat? Non, mais je n'étais pas venu pour parler du gouvernorat, quand même. Mais vous savez quand même que c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit au gouvernorat. Vous êtes des invités permanents, avec un visa permanent pour avoir accès au gouvernorat. Je ne sais pas si la question de Christian est liée aujourd'hui à la présence sur le terrain de l'un de vos meilleurs adversaires politiques, Antoine Daoury. Voilà, sa présence sur quel terrain? Dans votre circonscription électorale. Ah, il était d'une autre circonscription électorale avant. À quoi préparez-vous le prochain congrès? On est toujours de la même circonscription électorale. C'est le problème du Bloc républicain. Il y a un problème. Comment? Comment préparez-vous le prochain congrès du Bloc républicain, votre mais, parti? Mais très bien. Vous savez, le Bloc républicain, c'est le meilleur parti. C'est le meilleur parti, le parti d'avenir. Parce que c'est le parti de la jeunesse. C'est un parti minoritaire à l'Assemblée nationale. Non, oui, minoritaire à l'Assemblée nationale, d'accord, mais c'est le parti de la jeunesse. C'est pour ça que je dis que c'est le parti d'avenir. Voilà. Vous avez le ministre au gouvernement, votre président, enfin, l'un des responsables, deux des principaux responsables du Bloc républicain sont au gouvernement. Mmh. Alors, qu'est-ce qui va changer au cours de ce congrès-là? Mais ce qui va changer, d'abord que vous savez qu'on était allé à un congrès constitutif. C'est le premier congrès ordinaire qui va connaître l'installation de toute la structure du parti. C'est très important. À la Constitution, vous n'avez pas toutes les structures. Tous les organes de décision aujourd'hui sont des organes de transition. Nous aurons véritablement des organes élus réellement au congrès qui vont diriger le parti. C'est très important. On aura bientôt un président pour le Bloc républicain ou ce sera toujours cette gestion collégiale qui donne l'aide d'un monstre à trois têtes? André, je ne me mettrai jamais à la place d'un congrès. C'est le congrès qui décide de ce qu'il faut faire. Mais si c'est mon avis personnel, c'est que il faut être d'abord d'accord qu'on n'a pas un monstre à trois têtes. On n'a pas un monstre à trois têtes. On a opté pour un parti de masse. Donc, une gestion collégiale des affaires du parti. Ça ne veut pas dire qu'on a un monstre à trois têtes. Ouais, le parti, c'est Bio Tchane, c'est Jean-Michel Abimbola, c'est le général Robert Guillaume. Ah, et nous, on est où? Dites-nous, c'est à vous de nous dire où ah, vous êtes. Mais c'est bizarre que... Ce sont les principaux responsables du parti. Ah non, nous sommes tous des principaux responsables du parti. Ils sont les mandataires du parti. C'est ça qui est différent. La loi prévoit trois mandataires. C'est la loi qui a dit... Si la loi dit, mais vous voulez que nous tous, on aille s'asseoir pour dire qu'on est mandataire? À des structures de gestion, un président ou un secrétaire général, c'est selon, et puis après des... Chez nous, au Bloc républicain, c'est secrétaire général national. Et le secrétaire général national, aujourd'hui, c'est Abla Bia Tchane. Son adjoint, son premier adjoint, c'est Jean-Michel Abimbola. Son deuxième adjoint, c'est Robert Guyan. Voilà. D'accord. Déjà une concurrence ouverte pour le prochain congrès, puisqu'il faut renouveler les instances. Mais c'est ça la politique, non? Si dans un parti, il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émulation. C'est dynamique, le parti doit être dynamique. Quand on dit concurrence, ça ne veut pas dire aller remplacer systématiquement. Il y a concurrence
ça permet de galvaniser tous les potentiels responsables à la candidature. C'est ça. Vous avez voté la loi d'amnistie, vous avez procédé à la révision de la Constitution. Quelle est la suite du chantier de, oui, de mise en œuvre des recommandations? Oui, oui, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Mm-hmm. On a oublié de parler de l'article 26 qui renforce la prise en considération des femmes, hein, dans les assemblées on électives. A pas, on n'a pas suffisamment ça, c'est pas, ça, vous ça, l'avez fait. Hein, non, ça, c'est une mise en conformité. C'est une mise en conformité. La Cour des comptes, c'est une mise en conformité. Vous estimez que dans les 83 députés, il ne peut pas avoir plus de place, autrement plus de place pour les femmes. Pour leur en donner, il faut alors augmenter le nombre de sièges. Non. Ça, non. On a vu. On a Non. On a donné une valeur. On a bonifié encore la femme. C'est très important. À chaque fois, il faut bonifier la femme. C'est ce qu'on a fait maintenant à travers... on va faire à travers la loi. Cette bonification n'aurait-elle pas été plus intéressante si c'était au sein des 83 qu'elle a été faite? Oui, mais ça n'exclut pas qu'au sein des 83, les partis prennent des dispositions pour bonifier la femme au sein des 83. Mais nous voulons une base. Le parti féminin de l'Assemblée en témoigne suffisamment, en tout cas. Nous voulons une base réelle. Une base d'abord. D'accord. Sur cette base-là, maintenant, on va voir ce que chaque parti va faire comme effort. On peut même, dans le financement des partis politiques, en faire, comment dit-on, un élément de bonus pour dire les partis qui auraient tel nombre de femmes ou telle proportion de femmes vont avoir tel soutien financier en plus. Ça, c'est des dispositions toujours qu'on peut toujours revoir. Mais il était important d'avoir une base. Prochainement, ce qu'il y a à faire, vous savez que il y a encore beaucoup de choses à faire. Les partis politiques, au dialogue politique, avaient estimé qu'il fallait clarifier le rôle du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, lors de l'enrichissement des partis. Ça, c'est la loi portant charte des partis politiques. Elle sera revue dans la semaine même. D'autres dispositions du code, maintenant qu'on a dit, le chef de l'État va être parrainé. Quelle est la proportion du corps électoral, du corps de parrainage? Quels sont d'abord ceux qui sont habilités à parrainer? Quelle est la population de ce corps-là? Quelle proportion doit pouvoir parrainer? Ça, c'est les détails qui doivent être apportés par le code électoral. Les conseillers communaux, comment est-ce qu'ils vont être élus? Puisque l'élection doit intervenir en mai prochain ou plus tard. Donc, il faut le faire tout de suite, immédiatement. Et voilà. Vous pensez pouvoir accomplir toute cette diligence-là pendant la session budgétaire? Parce qu'il faudra aussi voter le budget. Je pense que c'est un défi pour le chef de l'État de satisfaire rapidement à ses engagements vis-à-vis des... C'est pas lui qui dirige l'Assemblée nationale. Non, c'est pas lui qui dirige l'Assemblée nationale, mais vous avez suivi l'audience qu'on a eue, la membre de la conférence des présidents. Écoutez, voici les recommandations. Je suis à vos côtés. Il a fait un plaidoyer terrible pour que les diligences soient faites afin de donner satisfaction à la suite du dialogue politique pour qu'on ne dise pas que, voilà, il s'est assis sur les recommandations du dialogue politique. Pour ça, nous aussi, parlementaires, conscients de la situation, notre volonté de décrisper la situation politique, on a décidé d'introduire tout en procédure d'urgence. Il ne faut pas négliger les autres. Aujourd'hui, nous sommes de la mouvance, demain, on peut être de l'opposition. C'est pour ça que la procédure d'urgence a été requise à l'unanimité des députés. Ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un, mais c'est pour donner une suite rapide à ce que la classe politique a souhaité. Même avec la révision de la Constitution. Honorable Batelmi Kassa, nous sommes au thème de cette émission. On va vous laisser le mot de la fin. Non, le mot de la fin, moi je voulais d'abord vous remercier, Canal 3, remercier tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission et appeler la classe politique à bien lire tout ce qui est contenu dans la modification qui est faite, qui par ailleurs ne crée pas une nouvelle république. Au lieu de rester sur des on-dit, parce que le texte aujourd'hui est disponible, j'espère bien que le chef de l'État fera diligence pour la promulguer, et pour promulguer le texte très rapidement, afin que chacun puisse savoir à quoi on s'en tient. Et que on cesse de suspecter le système qui est en place. Qu'on cesse de suspecter le gouvernement qui est en place,
sachant très bien que ce que nous disons, c'est ce que Talon est prêt à faire sur ces aspects politiques. Voilà ce que je voulais dire. Remercier également le chef de l'État qui a eu la volonté de mettre en œuvre de façon diligente les recommandations du dialogue politique. D'abord de convoquer le dialogue politique, d'être dans un esprit d'apaisement de la tension politique et de réaliser également les amendements qu'il faut pour régler définitivement la question. Le remercier également en dernière fois, parce que lui seul, lui n'a eu que deux ou trois innovations dedans. La troisième innovation qui est très importante, dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est la reconnaissance de nos chefferies traditionnelles. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais nous le ferons sur le terrain. Nous le ferons sur le terrain parce que les rois nous attendent. Mais c'est très important. La révolution n'a pas pu bannir les rois. Même la révolution n'est pas arrivée à cela. En rédigeant en 1990, on n'a pas eu le courage de reconnaître. Maintenant, il dit, bon, mais écoutez, les audiences, lui les suivait en tant que citoyen. Quand Yahya Boné recevait tous les chefs, tous les rois, tout le temps, lui aussi en reçoit. Écoutez, ce n'est pas... C'est une chose, c'est une réalité culturelle dont il faut tenir compte. Il faut lui en savoir gré également. Bon dimanche. Merci beaucoup, Barthélémy Kassa, député à l'Assemblée nationale, professeur à l'université, maître de conférence. Merci de passer sur ce plateau décrypté avec nous la révision de la Constitution, le contenu, les innovations apportées à la loi fondamentale qui attend toujours d'être promulguée après le contrôle constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Merci Christian Andéguen de m'avoir accompagné. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche en 8h.